Bonjour à tous, c'est Ben. La semaine dernière, je travaillais avec une personne que je forme et que j'accompagne sur Excel, on va l'appeler Lucas. Il m'a présenté un problème qu'il rencontrait dans son travail et on a donc utilisé une partie de la séance pour le résoudre. En deux mots, il s'agit d'utiliser une fonction somme pour effectuer une recherche. Bon, en gros, Lucas travaillait sur un fichier comme celui-ci. Il avait une liste de ventes avec des articles, des prix, des quantités, des dates, des clients, etc. Son besoin, c'était de vérifier que les ventes avaient été réalisées au prix standard défini par l'entreprise. Du coup, dans une autre feuille, ici, on retrouve le prix standard de chaque article. Et là, le problème, c'est que pour chaque article, le prix évolue dans le temps d'un mois à l'autre. Regardez, ici, le prix du kilo de pomme n'est pas le même en fonction du mois. Et il y a encore d'autres particularités, selon le type de client, direct ou indirect, le prix n'est pas le même non plus. Du coup, pour récupérer le prix standard qui aurait dû être utilisé pour chaque vente correspondant au bon article, à la bonne période, au bon type de client, Lucas pouvait difficilement utiliser une recherche V. En tout cas, ça aurait nécessité de créer une clé de recherche super longue qui assemblerait tous les critères, et dans son cas, c'était assez problématique à mettre en œuvre. Du coup, on a trouvé ensemble une autre solution beaucoup plus simple. On a utilisé une fonction somme-si-ence. Alors, petite précision, cette astuce ne fonctionne que si ce que vous cherchez est une valeur numérique. Il faut que Excel puisse se dire « Ok, c'est possible de l'additionner à autre chose ». Du coup, sur du texte, Excel ne sera pas d'accord et renverra une erreur. Alors, voyons ça. D'abord, on a ajouté une colonne qui reprenne le mois dans sa liste de ventes. Donc c'est pas très compliqué, j'insère une colonne, et avec une fonction « mois », je vais récupérer le mois de chaque date. Alors, pour que ça soit cohérent avec la liste des prix, dans laquelle le mois est inscrit en toutes lettres, je vais établir une petite table de correspondance, comme ceci, où je fais correspondre le chiffre 1 au mois de janvier, le chiffre 2 au mois de février, etc. Ensuite, je vais imbriquer la fonction « mois » dans une petite recherche V, et je récupère de la sorte le mois dont j'ai besoin. Alors je précise que si vous en avez besoin, vous trouverez dans la description des liens vers des explications plus détaillées sur les fonctions que j'utilise dans cette vidéo. Et puis, pendant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine pour vous aider à progresser dans Excel. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à faire ma fonction somme-si-ence. Donc, pour le prix théorique, voilà, je vais écrire égal somme-si-ence. D'abord, la plage somme, je vais mettre la colonne dans laquelle se trouvent les prix, dans l'autre feuille, voilà. Ensuite, il faut que j'ajoute mes critères, l'article, la période, etc. Alors, c'est important de bien s'assurer qu'une seule valeur corresponde à l'ensemble des critères que l'on pose, parce que sinon, eh bien, la fonction somme va jouer son rôle, et on aura la somme de plusieurs prix de vente qui cocheraient toutes les conditions. Donc prudence lors de la conception de votre formule et de ses critères. Dans mon cas, je vais donc prendre comme première plage l'article dans le fichier de référence, et je vais ensuite chercher le critère correspondant dans ma liste de ventes. Donc ici, c'est l'article. Ensuite, je vais mettre l'année, donc d'abord la plage à analyser, c'est-à-dire cette colonne, puis le critère précis, ici. J'utilise une fonction année pour obtenir 2020 ou 2021 plutôt que la date complète. Je continue avec le mois, donc de la même manière, d'abord la colonne, ici, puis, dans la liste de ventes, la cellule qui contient le mois. Pour finir, je fais la même chose avec le type de client. Maintenant, si je valide ça et que j'étire, je retrouve bien à chaque fois le prix standard qui aurait dû être appliqué. Je peux bien sûr faire une petite vérification aléatoire, les fraises en mars 2020 pour les clients indirects étaient bien vendues à 5,08€. Allez, un autre cas, les pommes en juin 2020 par exemple, pour les clients directs, étaient bien vendues à 2,42€. Nickel! Grâce à cette petite astuce, c'est devenu très facile pour Lucas de détecter et d'analyser les écarts éventuels. Mission accomplie! Très bien, c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Je publie une vidéo par semaine en essayant de vous proposer des exemples concrets comme celui-ci. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.